Le final qui vient d'être lâché maintenant, et c'est parti très fort avec les pilotes Slicinois, bien évidemment, sans surprise, avec Aurélien Bresson, il y a Mathieu Boyer qui est là, il y a également Malo Duer, représentant le club de voisins bretonneux, mais il y a également Lubin Quatreno, le pilote de Boutigny qui est là déjà en troisième position. Donc pour l'instant, nous avons dans l'ordre Mathieu Boyer devant Aurélien Bresson, la troisième place elle est pour Lucas Quatreno, la troisième place, pardon, Lucas Quatreno, et la quatrième place. Synonyme de qualification pour la finale, elle reviendra à Malo Duer qui lui aussi donc acceptera à la finale de cette catégorie des 19-29 ans. Et très belle victoire de Mathéo Boyer de Voisins-Bretonneux. Deuxième demi-finale, toujours chez les hommes de 19-29 ans, avec Voisins-Bretonneux, Les Clés-sous-Bois, Erani, Boutigny, Franconville. De représenter au départ. Allez, deuxième demi-finale qui vient de s'élancer, ce sont les hommes de 19-29 ans. Loïc Marty est bien parti, il partait du couloir numéro 5-6, en tout cas de l'extérieur, et il va pour l'instant, Loïc Marty, prendre la première place à l'issue du premier virage. Derrière, on parle notamment de la deuxième position, importante, c'est une deuxième place, car elle donne accès au final, et pour le moment, celui qui obtient la deuxième position, c'est Pierre-Yves Bévez, qui est en deuxième place, Gabriel Urien est quant à lui, le pilote de Voisins, à la troisième position, un dernier nom à connaître, c'est Raphaël Roulin, qui va prendre son ticket également pour la finale. Pas de changement devant, victoire de Loïc Marty qui s'impose dans cette demi-finale.